Salut tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Civilization 5 dans lequel nous jouons Venise. Alors, on a un petit problème d'espionnage là. Ils nous ont pas embêtés, donc on va pardonner. C'est très rare hein, que je fasse ça. Hello again. On va exiger que ça s'arrête. Que là, c'est pas normal. Mais comme je vous avais dit, on va venir m'envoler des technologies. Il reçoit encore une promotion. Oh la vache, il a reçu deux promotions en deux tours. Pocatello est déjà dans la Renaissance? Eh ben, l'Éthiopie et l'Espagne sont amis. Faut que je me trouve un nouvel allié, moi. Compliqué. Parce que je veux pas être copain avec On va pas pardonner quand même, hein. Faut pas déconner. Mais je nous aurons neutre. Peut-être essayer de devenir copain avec avec Babylone, qui sait. Ah non, on aura fait l'université d'Oxford. Bon, 19, c'est pas mal du tout 19. Oh la vache, j'ai tué nombre d'espions. 17, 17, allez c'est parti. Bon là il est pas venu au final, c'est bon, ça m'arrange. Ok, allez hop, direction là-bas, toi direction ici. Bon bah Babylone. Il m'énerve. Tahiu, Madame Bideri. Putain, j'ai trois espionnages hein, quand même. J'ai une techno gratuite? Ah oui. Une route commerciale supplémentaire. Je vais pas dire non. Oh, la cité interdite. Oh, bah oui, bien sûr. Bien sûr que je fais la cité interdite. Et bien sûr que je vais faire la gendarmerie aussi. Voilà. Dans la gendarmerie. Oui. Là. Réduit la vitesse de vol des espions ennemis de 25%. Voilà. Pourquoi je fais la cité interdite? Vous octroie. Est-ce que je pardonne ou pas? Non. Vous octroie deux délégués supplémentaires au Congrès mondial, le mécontentement. Diminue de 10% pour les citoyens des villes non occupées. C'est ça, oui. Non. Retirez votre amitié avec Genghis Khan. On en reparlera peut-être. Ah bon alors lui, bon bah Babylone, je disais ouais ça va, ils sont pas trop fait chier, bah là ils s'y mettent un. Oh la vache. Ils enchaînent, coup sur coup là. Putain, putain. Ils ont plus amis avec Riga, ouais, on les aux échappes. C'est pas grave. Ça se fera tout seul un peu plus tard. Un peu, oh, il faut casser ça, il faut. Hey! Mais c'est. Laissez-moi aller où je veux, s'il vous plaît. Bon, Krakatoa. Ok. 17. Allez, on va aller sur le cap. Ça va changer. Oh, une ruine antique. C'est vrai que c'est des terres peut-être inexplorées ici.
Fallu traverser des cases d'océan. C'est bien, ça va me donner des... quelque chose. Le Japon qui se fait dénoncer à tout va, alors qu'ils ont déjà perdu leur capitale, etc. Pour le coup, oui, c'est parmi ceux qui m'ont le moins embêté. Pour l'instant. Peut-être qu'ils vont me renvoyer des espions, mais... Ouais, naturel, ok, c'est bien. La naturelle découverte, ouais, ça fait du bien, la merveille naturelle. Alors là. Oula! Ça va qu'ils ont pris cher là. Mais. Embarquement. Non! Le Japon, le pauvre Japon qui a rien demandé quoi. Regardez, il lui reste que ça. Il lui reste que Osaka. Ah non, il lui reste deux pauvres villes, Satsuma et Tokyo, qui sont paumés. Ah la vache, et c'est pas cool en vrai. Les pauvres, ils ont rien demandé depuis le début de la partie, et ils se font fumer. Ah, c'est parfait, ils attaquent les guerriers Mohawk. Rune antique, arme avancée, c'est dommage, c'était de pauvres archers qui vont à peine devenir des archers composites. Ah, c'est triste. Mais c'est comme ça. 18 Kaokia. Oh, 18 Hong Kong, allez, ça a changé. Toi, non, et. Où est-ce qu'ils sont allés chercher la techno là? C'était là? Ah, des pauvres archers composites alors que j'ai la. Que je peux avoir des arbalétriers. Ça, c'est le coup dur. Je vais les ramener chez moi et. Je vais les améliorer pour pas que ça réarrive. Bismarck rentre dans la Renaissance, ok. Ah, si mon chevalier peut être amélioré, par contre, je dirais pas non. Parce que l'amélioration des chevaliers, c'est quoi? C'est un tank? C'est quelque chose comme ça? Alors, ça m'irait? Ça m'irait même très bien. Hop, allez, on va raser ce campement. Bien joué, les gars. Toi, tu vas rentrer à la maison. Te faire un petit peu. Soigner et toi aussi. En passant, en plus, ça va peut-être un peu explorer la mer. Là, je vois qu'il y a des cases de côte, donc ça se trouve, il y a. Moi, tu me diras, je peux pas y fonder de ville. Donc. J'ai pas assez d'ouvriers par contre. Hein. Ouais, j'avais déjà dit ça lors d'épisode d'avant. Et je me rends compte que c'est toujours le cas parce que là, j'ai deux. 3, 4, 5, 6 cases non exploitées, non aménagées. Là j'en ai une. Je vais faire deux ouvriers.
je vais faire, je vais acheter plutôt. Pas déconner. Ah bah non, je peux pas. On va acheter une banque à la place. Ah oui, non mais c'est... C'est à cause de ça. Ah oui, c'est vrai que je peux faire des navires marchands aussi. On priorise les navires marchands. Voilà, priorité aux navires marchands. J'ai une cité-état à acheter. La question se pose, laquelle ? Du poisson, mais... Pas ouf. La logique voudrait que je continue par là-bas. Je suis allié avec Panama et Melbourne, donc ce serait pas rentable pour moi de les prendre de suite. Ah. Sur quelle cité-état vais-je? Wellington, qui pourrait être pas mal. Si j'arrive à prendre Wellington Riga. Riga est bien. Alors Wellington, il y a quoi? Il y a du fer à avoir Wellington. Ah ouais. J'allais prendre Wellington. Ça me fera deux villes collées l'une sur l'autre. Ça sera vraiment pas mal. Allez, direction Wellington. 9 tours. Ah, c'est rapide, hein. Vache, vu le trajet à parcourir, je trouve ça plutôt, plutôt rapide. Hop, alors là, je suis juste... Régénéré. Katmandou. On a bientôt la navigation. Cool. Non. Oh la vache. Ah, l'Allemagne, ils se mettent bien. Ouais, je vais faire mon truc dans mon coin là. Ils sont tous belliqueux. Osaka, Kyoto. Pas ouf quoi. Les vents et les vagues sont toujours du côté des navigateurs habiles. Si tu lis. Rien, allez, on va changer. Buenos Aires. Toi, tu peux retourner là. Coquia. Combien ça coûte 420 ouvriers. Ouais. Pas donné. Des sciences économiques, c'est vraiment sympa. Et là, je vais ramener mes galéas pour amélioration. J'en ai une troisième. Voilà, j'ai de belles frégates. Bon, on n'ira pas m'embêter de suite. Là, c'est Babylone le premier. Mais il fait bien. Vu qu'il joue un peu solo, il est obligé, il va être un peu comme moi. Mais ils sont copains. Mais ils ont signé une déclaration d'amitié. Quoi je vous disais hein. Faut pas lui faire confiance à lui. Regarde. Bon, j'ai de belles frégates au moins. Je vais les envoyer explorer le monde d'ailleurs. Une bonne unité pour. Allez. Un campement barbare découvert. Ça va, c'est mon chevalier qui l'a découvert. Là, je vois. Oh, ok. Antananarivo, Hormus, Antananarivo, Hormus. Ah. Hormus est repassé sur le taoïsme.
Ouais, continue d'explorer autour. Et il me manque un peu. Je vois ce qu'il faut le tour prochain. Pourquoi je peux pas renvoyer là? Ok. C'est vrai que j'ai accès aux cases d'océan, c'est pour ça. Je prends plus le chou, maintenant il fait but. Non. Et vous savez pourquoi? Ouais, j'ai même pas de pression religieuse sur Biblos, quoi. 5 routes commerciales, ah ouais. Ouais, je suis un peu trop paumé en fait au milieu de nulle part et c'est ça qui a posé problème au début. Pas grave. Ah, j'ai encore une route commerciale à faire. Faisons-la. Corps de recherche terminé, ça me va. On a découvert quelques survivants égarés, parfait. Hop. Bah, continue ton exploration, toi. On améliore. Et là, les frégates vont explorer ça vite. Hein. Galéas, Chauchon. Hors de question. Tant que vous avez votre alliance avec le Mongol, que je vais m'empresser de renoncer d'ailleurs. L'Allemagne et l'Espagne sont amis. Allez, continue. J'ai vu un 19 en termes d'arrivaux. Sambano. Puissance Juan. Hop, petite dénonciation. Il est toujours enthousiaste, hein, il est vraiment. Bismarck. Non, je voulais prévenir que Genghis Khan voulait attaquer, mais bon, je sais pas. Enfin, que Genghis Khan prévoyait du moins quelque chose. Mais je ne le peux point. Cool. Et tu vas pas me le demander tous les tours? Je te dis non deux fois déjà, c'est pas un. Ah bah voilà, tu te rends compte, ça y est. Pourra-t-il faire? Ok, lui déjà il m'aime moins. Ah. Content. Ouais, juste pour essayer les tailles, même pas. C'est fou ça. Je pourrais essayer de bien m'entendre avec le Japon. Ils sont tout seuls, les pauvres, dans leur coin. Ouais, demander. Ils sont trop loin de moi. Pour l'instant. Oh oui, ça d'ailleurs, une prochaine partie avec le Japon, ça pourrait être cool ça. L'âge d'or commence, ça c'est bien. Ça je m'en fous. Prochain tour, j'ai la cité interdite. Il faudra t'y faire. Vous allez voir, à un moment vous allez tomber de haut. Je suis d'accord pour lui taper dessus. Hein. Si jamais tu veux l'Allemagne, pas de problème, on y va. On y retourne. Oui, il y a un petit problème d'ouvrier que je vais pas gérer encore. Après, mettons. Ils sont où mes ouvriers? Ah, ça y est, comment ça?
Lui, il avance. Très bien. Ah. La plupart d'entre nous peut à son gré. La plupart d'entre nous peut, à son gré, faire de ce monde un palais ou une prison. Là, c'est plus la prison qu'autre chose. Hop là. Ah, Wellington, plus 20, c'est bien, ça augmente les revenus commerciaux. Faire un chantier naval. Et on va acheter. Rien du tout. Bah, si, on a bien marchand. Hein. Commerce, voyons voir. Le commerce au 3, des bonus aux empires dans la production se focalise sur l'or. Ah ouais, super. Augmenter le commerce augmente la production d'or de la capitale de 25% et débloque Big Ben. Ah oui. En même temps, tous les intérêts de commerce, chaque compteur commercial vous rapportera un d'or, permet également d'acheter des marchands illustres. À partir de l'ère industrielle avec de la foi. Ah ouais. Oui, ah oui, 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 je dis oui. Moi je pars sur rationalisme. Commerce en Venise. Par contre, Big Ben. Industrialisation. Ah oui, encore du temps. C'est vrai que ça pourrait être ma prochaine étape. Bah quoi? Ah oui, t'as quelqu'un sur ta case. D'ailleurs, au niveau des technos. Ça m'intéresse pas. Ouais, vraiment, ça va partir sur l'industrialisation. Hein. Industrialisation. Contribuer à Wellington sans forêt. Industrialisation et aviation. Je vais enchaîner sur les deux trucs. Aviation, parce que défendre des villes avec une aviation, c'est facile. Des îles, pardon. C'est facile. J'aurais pas besoin de troupes corps à corps. Enfin, un peu. Et je compte pas trop en faire. Et faisons un petit tour dans la démographie. On est toujours bien. Attends, le deuxième en soldat, c'est pas voulu. 12 millions d'habitants. Ouais, on se met bien. Avec 4 villes. 1, 2, 3, 4, 5. Les intérêts composés sont la plus grande force dans tout l'univers. Hop là, navire marchand. 20, 20, 20, 20, 20. Ok, bon. On a marre. Corps de recherche terminé, ça me va. Industrialisation, hop là. Dommage. Lui, il arrive le tour prochain. Cool. Alors Big Ben, vous aux trois, vous devez avoir découvert le commerce. Non, les coûts en or diminuent de 15% dans toutes les villes. Ah ouais. Non. J'ai rien à gagner. J'ai beaucoup plus l'aider que elle mènera, enfin que eux mèneront. Ça ne m'intéresse point. On va voir. Université, ouais. C'est quoi, je vais faire des universités, hein. Je vais faire les bâtiments avec ce que je peux. Ces universités, c'est cool. Sandor pour les ruines. Mais je prends, bien évidemment. Quelle idée. Bon, toi. Hop, ouvrier et... Ouvrier. Et toi, dodo. Là, les frégates, elles découvrent bien le monde. Hein. Là, il y a énormément de zones de brouillard qui ont été dissipées là en quelques tours. Continuez ça. Pourtant, j'en ai que 3 des frégates. Donc, j'ai des trirèmes. D'ailleurs, des trirèmes. Mais faudrait que je les refasse venir, mes trirèmes. J'en ai 3. Trirèmes, je vais les améliorer. C'est
Bah ouais, j'ai totalement oublié, oui, c'est très possible. Par contre, ils vont mettre un temps fou à revenir, mais c'est pas grave. Elle est bloquée? Ça, elle est bloquée où? Ah purée, elle est bloquée là. Ah, elle est bloquée là aussi. Ah, c'est terrible. Laisse-moi. Elle est bloquée aussi? Ouais, ils sont tous bloqués. Hein. Bon bah, vous savez quoi? Hop, on annule les automatisations de toute maîtrise. Et je les détruirai, hein, j'ai pas trop le choix. Je vais pouvoir acheter Wellington. Et... on va étrier, explorer autour. Ok. Ah, ça, j'ai ce qu'il faut. J'en exporte deux. Ah, j'en ai trois. On va retourner dans le portail scientifique ici. C'est parfait, il est juste à côté. Ça. Est-ce que j'ai un autre bâtiment? Rien du tout, rien d'intéressant. C'est pas grave, on va attendre. Allez, on va sinon. Tous copains avec l'Éthiopie. Et ce dernier est copain avec le Mongol. Et ça, ça m'énerve. Aïe 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 aïe. Pour l'instant, bah, y a l'Allemagne. Mais l'Allemagne, il tape le Japon qui a rien demandé. Ça, c'est pas cool. Un artiste illustre, trop bien, j'ai pas de quoi le... Allez, détruire l'unité. Et voilà. Là, c'est bien, j'ai de quoi défendre. On va mettre le dernier pile entre les deux. Voilà. Rudimentaire des environs. Ouais! Trop bien! Allez, vengeance sur les barbares. Ah, on a trouvé Québec. Québec, je suis le premier à le trouver. Bon, bah, c'est dans la neige au moins. C'est dans la toundra même. Non, neige tout simplement, même pas de toundra. Ah, si, un peu. Bonjour, Québec. Hop, je vais relancer l'exploration autour avec eux. Eux, pas bouger. Venise, Venise, un petit moulin à vent, ce sera très bien ça. Oui. Ça, ça m'énerve. Vraiment, en vrai, j'arrive à passer pour un faible aux yeux du monde. Château de l'Imeji. Ah, mais le charbon, putain, oui, c'est vrai. Si j'ai pas de charbon,
Je peux pas faire d'usine. Oh mince, j'ai zappé ça. Kerivan, ça pourrait être bien là d'avoir la mine. Hop, tac, tac. D'ailleurs, non, ça peut mettre ça. L'exploration autour. Bon, bah, c'est ici qu'on va arrêter l'épisode pour aujourd'hui. Bon, on a vu qu'on pouvait plus ou moins compter sur l'Allemagne, plus ou moins, c'est tout. Et c'est tout. Voilà, il n'y a que lui. Et qu'on va très certainement faire câbler seul. On a commencé à bien explorer le monde, les océans, grâce aux frégates. Et on va continuer comme ça. Bah, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous propose de me retrouver bientôt. Tous les lundis, mardi, jeudi et vendredi à 11h, oui c'est 11h, pour le prochain épisode. C'était Thiam.